Musique. Sigma? Oui. Ça fait comme 10 minutes que c'est terminé. Comment ça? Moi, je dors pas. Mais, man, ça me prend des heures et des heures et des heures. Serge Postigo, metteur en scène, oui. Deux showmans ensemble. C'est vrai que Serge est tout à fait un showman. Donc comment ça fait, comment on crée un spectacle, les idées doivent comme surgir sans arrêt? Ça a été le fun, ça a été le fun. Alors Serge a beaucoup, beaucoup apporté ça, l'espèce de concentration, de focus dans ça. Et aussi la permission des émotions. Moi, j'ai eu plus tendance à vouloir divertir les gens, qu'à vouloir partager avec les gens mes émotions profondes. C'était une soirée importante, tu vois, on parlait d'émotions tout à l'heure. Pourquoi c'est D'abord, j'ai pas réussi à faire un seul spectacle depuis qu'on a commencé à l'automne 2009 sans être pris par les émotions. C'est jamais manqué. Je parle d'un des super pouvoirs de la musique puis le rapport que ça a avec le défi familial qu'on vit, moi et ma mère, sur Alzheimer. Son énergie, Grégory? Je pense qu'il prend ça de sa maman. Oui? Son père est pas mal énergique. Je pense qu'effectivement, il a pris toute la force de madame. Moi, c'est comme ça que j'ai appris la musique. Quand j'étais petit, mes parents me lançaient devant nos invités, puis go, tu joues. Et ça m'a rendu comme. Je sais pas. Imperméable d'une certaine façon. Tu les as pas vus, mais quand c'était We Are the Champion, là, ton père était comme We Are the Champion! Ah oui, parce qu'en plus, mon père aime la musique, mais mon père est aussi un grand fan du Canadien. Passer les 10 prochaines heures avec nous, c'est extraordinaire. J'aurais pas dit ça, mais je vais le dire quand même. Quand j'ai des gens qui sont tannés, qui se lèvent, qui s'en vont, ça m'insulte pas. Moi, là, je suis prêt à rester pour la dernière personne dans la salle qui en veut encore. Je veux encore. Je suis prêt. Ben, nous, on est vraiment prêts à faire avec ça. Merci beaucoup. Merci. Allez voir son spectacle. Merci.